Oh, tous les deux là. Bravo. Franchement, on est hyper content d'être là parce que c'était pas gagné. Et donc c'est une très grande satisfaction et un très bel accueil. Merci à tous pour cet accueil, mais c'est vraiment une très grande satisfaction pour nous deux d'être là. C'est pas dans les objectifs sportifs qu'on s'était fixés. Par contre, on a fait face à vraiment beaucoup d'adversité et on a réussi à relever ce défi-là et à venir jusqu'ici avec un bateau intègre, avec un mât qui tient. Ce qui n'a pas été le cas tous les jours en fait pendant la course. Et donc effectivement une grande satisfaction du sens marin avec lequel on a navigué et du plaisir qu'on a pris aussi, parce qu'il y a des journées où ça a été très très dur, mais il y a aussi quand même des journées, il y a eu des belles journées de glisse et c'était un très chouette moment à partager aussi avec Sophie sur l'eau. Tu as tout dit. Je suis tout d'accord. Et merci pour cet accueil incroyable. Bah oui, c'était dur parce qu'on sentait que le choix stratégique qu'on a fait au début de prendre la route nord, il était bon. Et ça s'est confirmé avec l'arrivée des bateaux à dérive, des premiers bateaux. Et donc c'était dur de devoir mettre un peu de côté cet aspect sportif-là, de s'asseoir sur nos objectifs. Et malgré tout, quand on s'est retrouvé au milieu, après les Açores, à se demander est-ce que le mât allait tenir, bah voilà, la réponse elle est là, on est arrivé, tout va bien, le bateau va pouvoir repartir aussi normalement. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc voilà, c'est une autre course qui s'est jouée, mais c'était encore plus intense, je pense. En fait, on a eu des soucis avec les câbles qui tiennent le mât au bateau, notamment le D2, donc le deuxième diagonal en partant du bas vers le haut, qui s'est desserré. Et qui nous a demandé d'analyser la situation, de réaliser que c'était vraiment une perte de tension qui mettait en péril la tenue du mât, et donc de comprendre comment ça s'était réalisé. En fait, il y avait un risque que le câble il tombe, tout simplement. On a dû monter pour resserrer ce câble en l'air. Il y avait beaucoup, beaucoup de mer hein, au large, il n'y a jamais eu moins de 3 mètres de houle. Donc c'est pas évident de faire ça en mer quand il y a de la houle. On a réussi à faire ça. Une fois qu'on a eu ça, on a eu un doute sur le D3. Le jour d'après, le lendemain, on s'est demandé, peut-être c'est le D3 aussi qui se desserre. On a dû remonter pour vérifier le D3, tout allait bien au niveau du D3. Et le lendemain, mais c'est vraiment deux incidents qui n'ont aucun lien l'un avec l'autre. Le lendemain, en fin de nuit, en fait, il y a notre étai de J2, donc c'est l'étai principal qui tient le mât, qui s'est détaché. Et donc là, on s'est retrouvé avec un gréement tout mou, les câbles que vous voyez là, que vous pouvez à peine bouger à la main, qui étaient mous comme des spaghettis. Et donc là, on a dû faire demi-tour pendant une dizaine d'heures pour trouver une solution
une solution qui nous permette, Sophie l'a dit, hein, c'était très facile de baisser les bras à ce moment-là parce qu'on avait 500 000 à faire pour rejoindre les Açores et mettre le bateau à l'abri. Ou alors travailler à avoir une vraie solution pour tenir le mât et réaliser les 1800 000 qui nous restaient pour venir ici. Donc la course a complètement changé et on a trouvé une solution. Après, ça a mis entre parenthèses la partie sportive, ça a rendu des voiles indisponibles. Mais bon, bah voilà, le bateau il est là, le mât il tient et l'équipe technique aussi a fait un super boulot à terre pour nous aider dans la compréhension. Les prestataires aussi, Héroïse Grément et Denran, qui nous ont conseillé pour pouvoir mettre en place une solution qui soit vraiment solide, quoi, en laquelle on ait confiance. Donc voilà ce qui s'est passé avec le MAC, qui a vraiment très fortement impacté notre course. Début, tu es dans l'action, donc tu cherches des solutions et tout va bien. C'est quand c'est consolidé et que tu te rends compte que les petits copains ne t'ont pas attendu, là, c'est un peu plus compliqué, quoi, de se dire que tu changes un peu de mode et que... Et tu joues autre chose finalement. Ouais, parce qu'on a passé une dizaine d'heures à l'envers de la route pour faire ça. Donc forcément, la course elle continue pendant ce temps-là. Effectivement, de trouver les ressources, là, franchement, ça a été difficile physiquement parce que faire tout ce boulot et tout, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est aussi difficile moralement parce que effectivement, de se remettre dans le match, de dire... on a eu de la chance qu'on avait toujours des bateaux à proximité pour essayer de nous challenger. Mais c'est vrai que ça nous a quand même émoussé, mais on a quand même réussi à trouver l'intensité. On a fait des chouettes bords, hein, sous Genax, sous Fro, on a fait des chouettes bords de glissade, donc c'était cool quand même. Donc voilà. Ouais, des super bons moments, et puis surtout, moi je voudrais remercier tous ceux qui nous permettent d'être ici. Il y a plein de gens qui gravitent autour du projet. Il y a ma famille pour qui c'est des absences, c'est du temps d'absence qui on fait ça aussi grâce à eux parce qu'ils nous permettent de le faire. Il y a les partenaires qui rendent le projet viable financièrement. Et puis sur ce projet, on a aussi le fonds de dotation qu'on soutient, Handicap Agir Ensemble. Et en fait, je suis assez fier d'être là aussi pour eux, en étant leur représentant. En fait, on est leur porte-drapeau, il y a leur logo sur le bateau, sur la baume. Et de faire face à tant d'adversité et de réussir à faire ce qu'on souhaitait quand même, c'était couper la ligne d'arrivée avant tout. Finir une course, c'est la première des choses. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil au fonds de dotation Handicap Agir Ensemble. Comment on a l'air? Comment on a l'air? Sophie, elle a l'air assez fraîche et tendance. D'accord. T'avais le bon quart de vue. Physiquement, non, faut prendre du repos, ouais, c'est clair. Non. Oui, moi j'ai besoin de repos, ouais, c'est clair. Pour pas personnellement. Toujours. Tu me donnes une boîte de coco, j'ai beaucoup mieux. Vous allez bien? Ah, écoute, ça va, j'ai l'air fatigué visiblement. Elle est où? Ah putain, oui, elle est bonne! Ah, Zodiac!